Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Mustapha Mohamed Mahmoud, a invité autour d'un iftar dînatoire les hauts cadres du MENFOP jeudi dernier au restaurant Vogue. Le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Warsama Dirye, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdoulaye Bahdon, et des figures civiles et politiques ont pris part à ce moment de convivialité et de partage. Les convives ont partagé un moment de communion et de partage avant d'effectuer la prière du Maghreb. Le temps fort de l'iftar dînatoire fut ce moment de partage et de bénédiction dans la convivialité et l'élévation spirituelle avec l'ensemble des convives. Les invités de marque ont tous apprécié ce beau moment de retrouvailles et de communion. Il faut noter que c'est une tradition pour le ministre qui invite ses proches collaborateurs à des iftars dînatoires chaque mois béni du Ramadan. Ces moments de retrouvailles ont vocation à resserrer les rangs parmi les proches collaborateurs du ministre qui trouvent une motivation supplémentaire dans l'accomplissement de leur obligation professionnelle. À titre de rappel, le ministère de l'Éducation nationale œuvre pour que l'école devienne un lieu d'épanouissement physique et intellectuel des élèves. C'est le projet de l'ensemble des activités pédagogiques et extra-scolaires qui prospèrent dans tous les établissements scolaires du pays.